Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va parler du marketing. Alors, avant de commencer, je vous pose une question. Est-ce que marketing et publicité sont synonymes? Est-ce que le marketing et la publicité sont la même chose? Je vous laisse un instant pour réfléchir. Voilà, non, les termes marketing et publicité ne sont pas synonymes. J'ai écrit un petit résumé et deux définitions de marketing et de publicité. Donc, à gauche, vous trouvez la définition de marketing. Il représente l'analyse des besoins des consommateurs potentiels et l'ensemble des actions utilisé pour influencer les consommateurs. Alors, l'analyse des besoins des consommateurs potentiels, des consommateurs potentiali, et l'ensemble des actions, tout ce que si può fare, utilisé pour influencer les consommateurs. Tutto quello che si può fare per influenzare ed attirare al prodotto i consumatori. Il permet de concevoir et planifier des biens et des services, d'en déterminer les prix, de les promouvoir et distribuer pour satisfaire les besoins des consommateurs et aider l'entreprise à réaliser un bénéfice. Donc, il faut déterminer le prix d'un produit, le promouvoir et le distribuer. Mais l'objectif final est celui de satisfaire les goûts des consommateurs pour aider l'entreprise à réaliser un bénéfice, vale à dire un guadagno. Au contraire, la publicité consiste à transmettre des messages publics destinés à informer et inciter les consommateurs acheter un bien ou un service. Donc, le but, l'objectif final de la publicité est informer et inciter le consommateur à l'achat, cioè all'acquisto. Il existe deux types de publicité. La publicité média, c'est-à-dire la publicité qui utilise les médias pour publiciser un produit déterminé. Quels médias on peut utiliser? La presse, la stampa, la télévision, la radio, le cinéma ou aujourd'hui, bien sûr, Internet. Et puis, il existe aussi la publicité hors média, c'est-à-dire la publicité qui n'utilise pas les médias pour publiciser un produit, qui comprend par exemple les manifestations, les foires, les salons, la promotion des ventes, la publicité par l'objet. L'objectif du marketing et de la publicité est le même, c'est un objectif commun, c'est-à-dire augmenter les ventes, quindi aumentare le vendite. Maintenant, on passe au marché. Qu'est-ce que c'est que le marché? Le marché est un lieu formel ou virtuel où sont échangés les biens et les services. On a deux typologies de marché. Le marché de l'entreprise, c'est-à-dire les clients réguliers ou occasionnels, c'est-à-dire les clients fidèles, réguliers, ou les clients occasionnels, c'est-à-dire des clients qui parfois achètent un produit déterminé. Et le marché de la concurrence, c'est-à-dire les clients des autres entreprises. Les clients des autres entreprises, c'est-à-dire la concurrence et l'analyse de la concurrence, est un aspect fondamental pour analyser le marché et pour réussir à vendre un produit. Donc, pour vendre bien un produit, il faut toujours considérer la concurrence. Ça, c'est essentiel. Qui sont les acteurs du marché? C'est-à-dire les personnes qui participent, qui font partie du marché.
Alors, on a différentes typologies de clients. On parle de clients final ou direct, c'est-à-dire les clients que on veut atteindre, c'est-à-dire raggiungere. Les clients distributeurs, ce sont par exemple les intermédiaires qui permettent d'atteindre les clients final. Donc, ils font la partie des intermédiaires. Puis, on a les clients préconisateurs, qui sont ceux qui suggèrent un déterminé produit, comme par exemple les blogueurs. Aujourd'hui, il y a la mode des blogueurs pour la mode, par exemple, ou les artistes, les sportifs, etc. Il y a ensuite les clients préconisateurs, ceux qui décident pour les clients, comme les médecins, par exemple. Et bien sûr, il y a la concurrence. Comme j'ai déjà dit, la concurrence et l'analyse de la concurrence sur le marché est essentielle pour réussir à augmenter les ventes d'un produit déterminé. Maintenant, on passe aux objectifs du marketing. Quels sont donc les objectifs du marketing dans une entreprise? Tout d'abord, analyser les données disponibles du marché. Le données disponibili sono i dati disponibili del mercato, quindi analizzare tutti i dati che siano a disposizione di un determinato mercato. Organiser des études ponctuelles pour évaluer l'impact d'un produit concurrent, c'est-à-dire étudier, analyser et étudier la concurrence. Considérer la concurrence pour chercher à la détruire, on peut dire comme ça. Puis, recueillir les outils pour suivre l'évolution d'un marché. Donc, il faut toujours suivre l'évolution d'un marché. D'adapter l'offre en fonction de la demande, ça c'est clair, j'espère. Attirer les clients et les fidéliser. Le verbe fidéliser est un mot clé, una parola chiave. Fidelizzare un cliente vuol dire attirarlo a sé e saperlo conservare nel tempo, ok? Quindi tenerselo, accaparrarselo. D'aider l'entreprise a élaborer une stratégie commerciale. Donc, l'entreprise, pour vendre, doit élaborer une stratégie commerciale fonctionnante. Et de budgétiser, bien sûr, c'est-à-dire déterminer les prix des produits à vendre et obtenir, si possible, de l'argent, gagner quelque chose. On passe à la phase finale. Je vous ai posé une autre question. Comment on identifie les besoins des consommateurs? Ça, c'est un aspect essentiel du marketing. C'est-à-dire que pour vendre, il faut connaître les consommateurs. Et j'ai écrit que les gens ont toujours une raison pour acheter. Et ça, c'est complètement vrai. Il faut donc analyser et connaître mieux les clients cibles, cioè i clienti che si vogliono raggiungere. Et pour faire ça, on doit commencer par une bonne analyse de marché. C'est quoi une analyse de marché? C'est une analyse de clients potentiels ou des clients réguliers, mais en particulier les clients nouveaux. Et il faut choisir comment réaliser un sondage, par exemple. C'est-à-dire, vous devez connaître une personne, vous devez connaître un client, vous devez analyser ses goûts, ses caractéristiques, pour voir si un produit pourrait l'intéresser. Ok, donc il faut choisir la typologie de sondage. Face à face, par mail, par téléphone, en ligne, il y a plusieurs typologies de sondage. Mais tout ça est utilisé pour connaître les goûts d'un client. Et ça, c'est très important. Puis, on peut poser des questions à un groupe de personnes représentatives.
Quindi scegliere un campione, che sarebbe, che viene chiamato marché cible, e poser des questions qui concernent bien sûr les produits à vendre. Quindi questo prodotto può interessarvi per quali ragioni? Indagare, quindi conoscere sempre di più il gusto del cliente per arrivare più vicino possibile per poterlo conquistare. Puis, donc, le marché cible, je vous ai donné la définition, c'est un groupe de personnes qui pourraient être intéressées par un produit déterminé. Et les gens qui ont les mêmes caractéristiques sont appelés segments de clientèle. Qu'est-ce que c'est qu'un segment de clientèle? Allora, può essere definito come un gruppo di persone che hanno le stesse caratteristiche. Facciamo un esempio concreto. Allora, devo vendere un passeggino. Quale segmento di clientela andrò a coinvolgere? Il gruppo delle mamme, per esempio, che più di chi ogni altro, di chiunque altro, ha bisogno dei passeggini. Oppure, devo vendere e sponsorizzare un prodotto, uno smartphone di nuova generazione. Quale segmento di clientela andrò a coinvolgere? I giovani, piuttosto che uno strumento, un cellulare con i tasti grandi, un cellulare che può essere adatto alle persone magari anziane. Quindi il segmento clientele sarà quella tipologia di persone, cioè gruppi che hanno le stesse caratteristiche appartengono a questi segments de clientèle. Quindi l'obiettivo che si vuole, a quale si vuole arrivare è le marché cible. Nel marché cible il y a les segments de clientèle, c'est-à-dire le groupes de personnes qui ont les mêmes caractéristiques. C'est seulement à ce point, solo a questo punto, quand on connaît bien les clients de différentes typologies, che on peut lancer un produit sur le marché. Et ça, c'est la phase finale avant de vendre, bien sûr. Donc, je vous ai introduit ce qu'on peut définir marketing et publicité. Dans la prochaine vidéo, on va parler dans le détail du marketing et en particulier, on va présenter l'analyse SWOT, donc un type d'analyse stratégique de marketing. On va analyser le plan de marchéage, c'est-à-dire les 4 P du marketing, le cycle de vie d'un produit, donc les phases de vie d'un produit pendant la vente. Et on va voir aussi les caractéristiques en général du marketing moderne, c'est-à-dire le marketing d'aujourd'hui. Alors, je vous laisse travailler, bon travail, étudiez bien tout ce que j'ai dit et à la prochaine vidéo.